Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 67e live, je crois, il me semble, oui, ce soir. Donc ça en fait déjà pas mal. Bonsoir Anselme, bonsoir Nabil. Salut Yulish21. Alors ça, c'est des pseudos un peu difficiles à prononcer, mais peu importe. Salut Fabrice, bienvenue également dans ce nouveau live. 67e live, et oui, ça en fait pas mal. Eh bien, écoute, je vous accueille ce soir donc dans ce nouveau live. Nous sommes ce soir le 7 décembre. Salut Didier, bienvenue. Yves également, bienvenue Cendrillon. Je vous accueille pour un live un peu plus libre ce soir, puisque c'est vous qui allez choisir vos questions. Il n'y aura pas de cours précis, mais voilà, on répondra ce soir à pas mal de questions. Juste le temps pour moi. Salut Haddad. Enlil, salut Oiselire également, oui, It's Oramai, Jean-Marie, salut également, Don Edeyman, Valère, voilà, si j'écorche un peu les pseudos, ils sont un petit peu loin donc de ma vision ici, donc n'hésitez pas à me rectifier. Juste le temps pour moi d'accueillir tous les nouveaux ce soir qui nous rejoignent. Leur dire que tous les précédents lives sont sur la chaîne, bien sûr, Music Classroom, sous l'onglet Playlist. Vous trouverez la playlist Music Classroom Live. Tous ces lives sont d'une heure à peu près et traitent d'un sujet particulier avec donc des questions, des débats, etc. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Je dirai au nouveau également que ce soir, c'est un live assez libre. Vous allez pouvoir évidemment me poser toutes vos questions musicales en direct, suivant vos centres d'intérêt, évidemment, ce que vous voulez faire ce soir. Salut Mélissa, bonsoir Valère, bonsoir Daniel Noël également, bonsoir Nicole Nardin, Marc de Coster, un habitué également, que je connais bien. Voilà, Louise également, bonsoir, bonsoir Daniel. Cancrela, oui, c'est un pseudo. C'est quand même pas ton nom, ça, Cancrela. Mélissa, bonsoir. Donc, bienvenue. Vous êtes apparemment assez nombreux ce soir, encore une fois. Et donc, on va pouvoir évidemment débattre un petit peu de toutes ces questions. N'hésitez pas à poser des questions donc musicales, qu'elles soient d'ordre technique ou esthétique, ou simplement musicales au niveau de l'audition, au niveau de compositeurs, d'artistes, etc. Voilà, si je peux, j'y répondrai bien sûr. Alors, ISS, YSS, IS, bonsoir, Alpha, c'est ça. Jean-Yves, Daniel, bonsoir. Krishna, bonsoir également. Je reçois Yann Laz aussi, qui est là régulièrement, chaque semaine. Je reçois aussi Kenneth Célio Gomez, bonsoir, bonsoir. J'ai un petit rhume ce soir, vous pouvez l'entendre d'ailleurs, mais peu importe, tout va bien. Donc, on va pouvoir discuter. Xavier, salut à la Tulipe, bien sûr, qu'on connaît bien, puisque tu es parmi nous depuis un moment. Bonsoir. Kenneth Célio Gomez, on a dit également que on te voyait depuis plusieurs fois, il me semble. Didier, votre dernier didacticiel musicalité au piano est vraiment top, je l'ai adoré. Ah, d'accord, tu vois. Ben, je m'attendais pas en fait à ce que ça intéresse autant, tu vois, comme quoi les sujets, voilà, on ne peut pas définir à l'avance si ils vont intéresser, s'ils vont avoir du succès effectivement auprès de vous. Donc effectivement, bonsoir Mélissa. Par quelle vidéo de la chaîne commencer pour apprendre le piano? Ben on va y répondre, Mélissa, mais il me semble qu'il y a des évidemment, il y a une playlist donc apprendre le piano débutant et que évidemment ces vidéos traitent de sujets indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi uniquement. Le suivi, vous le trouverez dans les formations, mais qui sont payantes, c'est sur le shop.musicclassroom.com, donc l'adresse qui défile en bas sur le petit bandeau que vous voyez sous le clavier. Voilà, donc ce sont des sujets différents sur tous ces tutos gratuits, mais que vous pouvez effectivement choisir suivant vos centres d'intérêt, hein. Donc il y a une playlist pour ça, hein, Mélissa, d'accord? Voilà, donc on va peut-être commencer. Si vous avez des questions, alors évitez les questions généralistes de type comment apprendre le piano, tout ça. Vous savez que ce sont des gros sujets qu'on ne peut pas évidemment traiter en une question, ni même en une réponse, ni même en un live, hein, bien sûr. Essayez de préciser vraiment les questions le plus, disons, le plus focus, si possible, et les plus précises, hein. Comme ça, je peux vous répondre moi aussi, pardon, tout à fait précisément à ces questions. Voilà, alors première question, c'est Didier qui ouvre le feu.
Première question, peut-être déjà posée avant de jouer, il faut écouter que... Alors, vous écoutez ce qui vous plaît. Vous écoutez évidemment en musique tout ce qui va vous plaire. Si vous voulez faire du jazz, écoutez du jazz. Vous voulez donc faire de la musique classique, écoutez de la musique classique, bien sûr. Je vous conseille d'écouter, bien sûr, toute la bonne musique parce que parmi les styles que vous allez écouter, il faut absolument écouter les meilleurs musiciens. Parce que vous savez qu'il y a de tout hein, sur YouTube. Il y a à boire et à manger. Hein. Il y a aussi des choses qui ne sont pas terribles. Alors, écoutez toujours le top des musiciens, que vous soyez classique, dans la chanson, tout ça, essayez toujours de prendre le top et habituez évidemment vos oreilles à écouter de la qualité. C'est très important dans la formation même de l'oreille. Alors Kilowas nous dit « Bonsoir, j'ai du mal à associer un accord à un son. Je joue une mélodie, mais je n'arrive pas à jouer un accord qui va avec la mélodie. » Là, tu poses, Kilowas, le problème de l'harmonisation. Alors ça ne se fait pas en un jour, évidemment. J'ai un tuto, hein, qui, enfin du moins même une playlist qui va te permettre de voir plusieurs vidéos sur comment harmoniser une mélodie. Donc ça doit t'intéresser et tu dois t'y intéresser pour savoir effectivement quelles sont les différentes techniques pour harmoniser une mélodie, voilà un thème simplement. Donc je te renvoie à la playlist hein, sur la chaîne menu playlist, comment harmoniser une mélodie. Nabil, salut. Et si on parlait de contrepoint vis-à-vis de l'harmonie ? Eh bien, tu tombes bien, Nabil, parce que c'est le prochain tuto qui va être en ligne ce vendredi-là. Et tu vas voir que là, j'ai fait un tuto qui va vous montrer effectivement quelle est la différence entre ces deux types d'écriture essentielles dans la musique, que sont l'harmonie et le contrepoint. Quelle différence d'écriture ? Eh bien, je l'explique. Donc, patientez jusqu'à vendredi matin, 9h, et vous verrez, il y a une vidéo donc, qui va sortir sur, évidemment, ce sujet de différencier l'harmonie du contrepoint, c'est-à-dire deux techniques d'écriture qui sont, évidemment, absolument essentielles dans toute notre musique occidentale, d'ailleurs. Et pas que, d'ailleurs. Apollinaire, bonsoir à tous. Je suis Apollinaire de la Côte d'Ivoire. Salut Apollinaire, bienvenue. J'ai une question, est-ce possible de maîtriser tous les styles musicaux avec des années d'apprentissage ? Oui, en tout cas ceux qui te passionnent, Apollinaire. Pas tous les styles, mais voilà, si tu aimes le jazz, bah fais du jazz. Et il y a déjà suffisamment à faire dans un style pour effectivement essayer de maîtriser tous les styles, d'accord ? Donc je te conseille d'abord de travailler à le style qui t'intéresse uniquement et de plonger, parce que vous savez que maîtriser un style, c'est évidemment une question d'écoute. C'est-à-dire, si vous en avez écouté beaucoup, eh bien, tout ce qui rentre là ressort sur les doigts, sous les doigts. Je l'avais dit déjà, hein, ça, c'est très très important d'écouter beaucoup de musique dans le style qui vous intéresse. Bonjour, pourriez-vous parler de la modulation, dit Koji ? Oui, bien sûr que je peux en parler, Koji. La modulation, c'est une façon de passer d'une tonalité à une autre ou à plusieurs autres dans le courant d'un même morceau. On peut commencer en Do majeur. Et avec ce Fa dièse ici, puisqu'en Do majeur, il n'y avait rien, en mettant ce Fa dièse, je suis sur une dominante de Sol majeur. Donc là, j'ai modulé. Je suis passé dans une autre... Voilà, tonalité. Laissez-moi le temps de répondre, hein, parce que si vous posez trop de questions, pendant ma réponse, je ne vais pas les voir. Donc voilà, vous pourrez bien sûr les reposer par la suite. Bonsoir Sandrine, bienvenue. Y a-t-il une règle, nous dit Daniel, pour jouer un accord des deux mains suite à une ligne mélodique ? Là, tu poses la question de l'accompagnement, Daniel. C'est énorme hein, comme question, l'accompagnement. Bien sûr qu'il y a des règles. Bien sûr qu'il y a des règles dans l'accompagnement. Et surtout, pour accompagner une mélodie, eh ben, lorsqu'on accompagne, il y a toujours ce qu'on appelle la conduite des voix. C'est-à-dire, pour passer d'un accord à l'autre, eh ben, on va être obligé, évidemment, d'avoir des conduites de voix. Par exemple... Voilà, Do à la basse, La, Si, Sol dièse, et La. Voilà, il y a une conduite des voix, c'est-à-dire les notes d'un accord qui vont sur les notes du prochain accord ne se font pas comme ça en parallèle. D'accord ? Il y a toujours une conduite des voix, c'est-à-dire chaque note crée une mélodie horizontale. Et je l'explique d'ailleurs dans le sujet de ce vendredi qui va sortir. Les différences, on en a parlé tout à l'heure, entre l'harmonie et le contrepoint, bien sûr. Buonasera Giovanni, come vai?
Ok, benvenuto. J'ai encore quelques petits restes d'italien, vous le voyez. Guillaume Didier, et en improvisation jazz, s'il y avait trois gammes, modes à travailler en premier, que conseillerez-vous? Non, il n'y a pas trois gammes, il y a énormément de modes et de gammes et d'échelles à travailler. Toutes ces échelles, lorsque tu les mélanges dans une improvisation, font ton improvisation. Donc il n'y a pas de préférence, Didier. Il y a simplement à tout apprendre, c'est-à-dire travailler tes gammes, tes modes, dans tous les tons, toutes les tonalités, hein, c'est-à-dire les 12 tonalités comprises ici, tu le vois, dans une octave. Hein. D'accord? Donc, quoi que tu travailles, Didier, travaille tous les modes et toutes les gammes d'improvisation de base, tu vas trouver beaucoup, puisque j'ai une playlist qui est consacrée également sur la chaîne à justement ces modes et ces gammes d'improvisation que tu devras transposer une fois que tu les as travaillées en do, par exemple. D'accord? Salut Yves, bienvenue Yves Béanzin, bonsoir. Bonsoir Antika également, une habituée ou un habitué, je ne sais pas, qui se cache derrière souvent vos pseudos, mais c'est aussi bien. Paul, Joël, Gabriel, salut également, bienvenue. Pour un débutant, nous dit Paul, comment, comme moi, quel piano choisir, s'il vous plaît? Alors, tu parles d'un piano acoustique ou électrique? Il faut déjà, voilà, ou numérique. Donc, il faut déjà préciser de quel piano tu vises et sur quel piano tu aimerais jouer au niveau acoustique. Ou numérique. Dis-le-moi, j'essaierai de te répondre, à te donner des références. Saïd, bonsoir. Et quand on maîtrise les impros jazz, on peut chanter avec. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a beaucoup d'ailleurs de musiciens, si tu connais Keith Jarrett, hein, qui chantent en même temps qu'ils improvisent. Ça les aide probablement dans l'inspiration, donc. Xavier, j'étudie en ce moment le mouvement en ce qui concerne le toucher, la dynamique, poids, main. Oui, bien sûr, c'est important. J'ai peur de prendre des mauvaises habitudes en augmentant la vitesse. Des conseils, oui. Ne passe pas à une vitesse supérieure tant que tu ne maîtrises pas la vitesse la plus lente. C'est ce que je conseille. Travaillez au métronome vos exercices, c'est très très bien. Peut-être pas les morceaux, mais les exercices, oui. Mais en tout cas, commencez lentement jusqu'à que ça soit parfait au niveau du poids, au niveau de la régularité, etc. Hein. Intika 1, oui. Un seul, d'accord. Laïla, bonsoir professeur de Rabat, salut à tous les Marocains qui nous suivent, je le sais, en langue francophone bien sûr, depuis le Maroc et depuis différents endroits au Maroc, et pas seulement, puisqu'on a beaucoup de monde qui nous suivent également, qui nous suit du monde entier, notamment d'Afrique, des Antilles, de la Caraïbe, du Canada également, puisqu'on en a eu. Salut Wari, bonsoir Saïd à nouveau. Quand on maîtrise le jazz, on peut s'accompagner pour chanter. Oui, tout à fait, je t'avais répondu, effectivement, tu peux t'accompagner, effectivement, pour chanter, tout à fait. Loulou, bonsoir, bienvenue aussi, Loulou Magnolia, que je connais également par son pseudo. Est-ce qu'il y a d'autres questions précises? Précisément, d'ailleurs, je veux des questions précises parce que ça me permet, vous, de vous répondre, effectivement, de plus précisément. Pas de grandes questions. Bonsoir du Congo, ah ben la République démocratique du Congo, salut Intégral Développement Study Office, et ben dis donc, quel pseudo là, tu traînes derrière toi, c'est formidable. Si tu as des questions, n'hésite pas également. Loulou Magnolet, avez-vous une technique pour jouer à deux mains? Bah, tu me parles de la technique du piano en général ici, puisque évidemment on joue à deux mains au piano et à deux mains indépendantes. Hein. Vous m'avez souvent entendu dire dans les différents lives et sur les tutos que l'indépendance de ces deux mains, évidemment, était primordiale au piano. Et pour moi, avec le doigté et les doigtés et les bons doigtés, ce sont les deux techniques vraiment qui me paraissent essentielles de maîtriser, évidemment, avant d'aller plus loin dans vos études de piano. Alors l'indépendance, elle peut se bosser aussi à des niveaux extrêmement débutants. Hein, on peut travailler, j'ai fait des tutos là-dessus, où on peut travailler rythmiquement l'indépendance des deux mains ici au piano, qui est évidemment une des conditions au piano, hein, puisque c'est un des rares instruments qui nécessite autant d'indépendance. C'est bien le piano avec deux mains qui vont jouer des choses totalement différentes, Loulou. Hein, d'accord? Donc pour moi, ça a beaucoup, beaucoup d'importance que vous puissiez travailler donc, ces deux mains et cette indépendance des mains, et même des doigts à l'intérieur d'une même main, hein, bien sûr. Beaucoup d'exercices sur la chaîne à hein, ce sujet-là hein, également. Nabil, quels sont les sons dont on peut se passer
pour les 9e, 11e et 13e. Alors, quand tu as Do majeur, 7, 9, dièse 11, 13, voilà. Si tu mets 9, 11, 13, Ré, Fa, dièse, La ici, sur l'exemple de Do majeur, tu peux te passer de la quinte, par exemple. La quinte juste, dans un accord, elle n'est pas importante. C'est une couleur dont on peut se passer. Je parle de la quinte juste, ici le Sol. Bien sûr, si elle est augmentée, Sol dièse, ou diminuée, Sol bémol, Fa dièse, ici, elle est importante. Mais la quinte juste, on peut s'en passer. En tout cas, il y a deux notes qui sont très importantes dans vos accords de septième, même en dehors, si vous voulez, des extensions 9, 11, 13. Eh bien, c'est les deux notes, c'est la tierce et la septième, en général. Tierce, septième, d'accord ? Tierce, septième, ce sont les deux notes qui donnent la couleur de l'accord. On dira même que ce sont des notes modales, 3, 6, 7, hein, dans une gamme, bien sûr. D'accord ? Nicole, excusez-moi si je saute quelques... il faut juste le temps que je puisse répondre. Si je saute quelques questions, reposez-les. Nicole Nardin, je travaille actuellement mes morceaux du DVD 8, les valeurs. L'accroche pointée double. Oui, d'accord, donc sur le rythme, hein, c'est ça. Je ne pense pas que ça soit le DVD 8 si tu parles de la collection Music Classroom, hein, Nicole. Les valeurs, l'accroche pointée double. D'accord, est-ce qu'il y a une question, Nicole, sur ce sujet-là ? Paul Joël nous dit alors les deux me feraient du bien. Ah, tout à fait, Paul, tout à fait. Paul Joël Gabriel, à nouveau, et acoustique et électrique. D'accord, alors s'il s'agit d'un acoustique, tu sais, j'ai fait des tutos là-dessus parce qu'il y a beaucoup de paramètres pour le choix d'un piano, qu'il soit acoustique ou électrique, on en a parlé beaucoup. J'ai même invité évidemment un spécialiste sur les pianos donc numériques en la personne donc de Guillaume, hein, qui est de Bietri Musique, et donc c'est un professionnel, et vous pouvez même lui poser des questions parce qu'il a laissé dans cette vidéo donc ses coordonnées mail si vous avez des questions précise à lui poser sur les numériques qu'il connaît évidemment parfait. En ce qui concerne l'acoustique, j'ai fait un tutoriel avec beaucoup beaucoup de paramètres et même une liste, hein, une checklist en fait, qui vous aidera peut-être à choisir un piano acoustique cette fois-ci, avec beaucoup beaucoup de paramètres bien sûr. Je vous reçois, dit-nous Paul Joël, depuis Haïti. Oui, je sais que vous êtes nombreux aussi de Haïtiens, alors bisous à tous les Haïtiens qui nous regardent également ce soir. Et qui nous ont suivis jusqu'ici d'ailleurs, puisqu'ils sont nombreux, je le sais. Sandrine, est-ce gênant si les doigts ne restent pas repliés sur les touches ? Ne restent pas repliés. Ah oui, alors effectivement, lorsque vous jouez, parce que vous ne voyez pas sur le clavier ici, les doigts qui ne jouent pas doivent rester toujours en contact avec les touches. D'accord ? Il ne faut pas que les doigts se lèvent comme ça. Pourquoi ? Parce que, pour une simple raison, lorsque vous allez jouer des très très rapides, si vos doigts se lèvent, ceux qui ne jouent pas, eh bien vous allez prendre beaucoup de temps pour les rabattre. Donc ça vous fait perdre du temps et donc vous allez avoir des difficultés à travailler évidemment dans la vitesse. Donc les doigts qui ne jouent pas, toujours en contact avec les touches. C'est une règle au piano bien sûr. Et arrondi si possible. Sandrine est gênant, je viens de répondre. Thunder Snow 59, bonsoir, j'apprends à lire les partitions en ce moment, avez-vous des conseils ? Oui, oui, bien sûr, la lecture de partition, c'est d'abord le nom des notes dans les deux clés, Sol et Fa, mais c'est également donc les rythmes. Avec les notes et les rythmes, déjà tu peux déchiffrer. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a autour de la musique que tu dois connaître également, c'est-à-dire la musicalité elle-même, c'est-à-dire les phrasés, le toucher, les nuances, tout ça, ces accentuations, les tempi, les mouvements, etc., tout ça, ça va faire la musique. Mais déjà, si tu apprends à lire les clés, les deux clés, hein, couramment, avec les rythmes qui se rattachent, tu as déjà une possibilité formidable de lire beaucoup, beaucoup de partitions, tu vois. Donc voilà, commencer par là, effectivement. Music Girl, bonsoir. On a formé un groupe de musique avec deux, oui, de mes amis. Je suis le pianiste. Ben, bonne initiative, c'est très très bon de jouer en groupe parce que ça forme. Ça forme non seulement le fait effectivement d'avoir une interaction avec les autres joueurs, donc les autres musiciens, et ça vous force à écouter les autres également et ne pas s'écouter que soi-même effectivement. Voilà. Donc ça c'est très formateur sur ce plan-là.
Sigma, bonsoir, salut Sigma, bonsoir, et rebonsoir d'ailleurs, parce qu'on se connaît déjà. Je travaille votre exercice 2 contre 3, oui, indépendance des mains, et je trouve l'exercice difficile malgré le travail de chaque main séparée d'abord. Avez-vous un petit conseil? Oui, allez toujours très très lentement, et comme je l'ai dit, essayez de tirer toujours un rythme résultant. Le 3 contre 2, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et à la main gauche 2 par exemple. 1, et toujours effectivement inverser ensuite. C'est-à-dire que vous allez mettre le 3 à la main gauche et le 2 à la main droite, mais lentement et au métronome au début. Quand vous l'avez fait lentement cet exercice, eh bien vous avez compris le mécanisme. Ensuite, on peut accélérer pour essayer d'obtenir donc une automatisation, parce que l'indépendance des mains, c'est toujours automatiser les choses. Mais automatiser les choses, ça veut dire qu'on l'a beaucoup beaucoup bossé, d'accord, auparavant. Eliane nous dit bonsoir, maestro Nîmes, quel bonheur de vous écouter. Eh ben Nîmes, je connais bien, j'ai vécu à Nîmes très très longtemps, tu vois. Extrêmement très très jolie petite ville hein, du Gard, magnifique. Voilà, donc je connais très très bien et bienvenue en tout cas. Xavier, j'adore le style classique. Comment faire pour que mes improvisations sonnent plus classiques? Alors, chez les classiques, il y avait de grands improvisateurs qui étaient les baroques, hein, les baroques, l'époque de Bach, hein, le XVIIe siècle. Il y avait beaucoup d'organistes qui étaient des improvisateurs nés, hein, c'est-à-dire qui jouaient aussi dans leurs partitions des choses qui n'étaient pas écrites. Voilà, ensuite, un peu plus tard, au XVIIIe, chez Mozart, par exemple, chez les classiques, donc, eh ben, il y avait aussi ce qu'on appelait, par exemple, dans les concertos pour piano et orchestre, il y avait ce qu'on appelait la grande cadence. Ben, c'était un grand moment, aux trois quarts de la pièce à peu près, qui correspondait un petit peu au climax. Le climax, c'est le point culminant d'une pièce. Eh ben, il y avait évidemment des musiciens qui étaient libres, laissés libres effectivement, d'improviser ce qu'on appelait une grande cadence. Voilà. Donc, improviser en classique, c'est déjà beaucoup avoir joué de classique et avoir cette créativité nécessaire pour pouvoir effectivement, voilà, improviser. Wari, les accords magiques, ça sert à quoi? Il n'y a pas d'accord magique, c'est une invention YouTube. Voilà. Il n'y a pas d'accord. Tous les accords sont magiques, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire tous les accords sont indispensables dans une grille harmonique, etc., ou dans un accompagnement. Il n'y a pas d'accord magique. Voilà. Il faut bien se le mettre en tête. Il n'y a pas d'accord magique. La magie, ça n'existe pas en musique. Du moins, la magie, c'est le travail. Voilà, simplement. Et vous me connaissez d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien, il n'y a pas d'astuces, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a que le travail et la régularité, c'est-à-dire pendant des années. Et c'est comme ça que les grands musiciens, les grands instrumentistes sont arrivés en travaillant à 5, 10, 15, 20 ans, bien sûr. Music Girl, désolé, c'est passé. Coltrane, j'ai vu un tuto d'un des anciens élèves concernant les modes selon les Américains par degré scales. Oui, j'avoue que cela m'a encore plus embrouillé. Tu pourrais nous en parler un jour. Oui, bien sûr. De toute façon, moi, j'ai fait des tutos sur les modes d'improvisation. Oui, je pense qu'ils sont clairs. Sur les degrés, les scales, etc. Oui. Alors, qu'on soit bien d'accord, Coltrane, les échelles, les modes, les gammes, tout ça indique effectivement donc des échelles que vous devez travailler lorsque vous improvisez, bien sûr. Kenneth, désolé, ça passe très vite. Depuis plus de 6 mois, je travaille les partitions classiques telles que la Campanella, oui, d'accord, mais j'y arrive pas toujours. Pouvez-vous me donner des techniques de travail? Oui, alors c'est difficile parce qu'évidemment chaque partition est totalement inédite et puis unique, bien sûr. Campanella, tout ça, c'est quand même déjà d'un très très bon niveau. Moi, c'est de travailler très très lentement et d'arriver déjà à une technique et une musicalité dans un tempo déjà très lent. Et je sais que c'est un gros défaut des débutants souvent, mais là, ça n'est pas des pièces débutants, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est de travailler, d'essayer de travailler tout de suite les deux mains ensemble, etc. Travailler les mains séparées. Si vous êtes capable de jouer un morceau, une pièce,
les mains séparées de A à Z et sans erreur, c'est que c'est un bon signe pour pouvoir commencer seulement à mettre les mains ensemble, d'accord? Et ensuite, monter progressivement le tempo pour obtenir le tempo qui est indiqué par le compositeur. Donc, travailler lentement, mains séparées, mais travailler aussi technique et musicalité. D'ailleurs, c'était le sujet de notre dernier live, vous le retrouverez sur la chaîne, pour pouvoir évidemment donc donner déjà une qualité donc à vos mains séparées. Ensuite, on travaillera les mains ensemble et en montant progressivement le tempo jusqu'à atteindre ce que le compositeur donc voudrait comme tempo. Intégral, avant de parler style, y a-t-il des connaissances et des habitudes que chaque musicien doit maîtriser qui sont communs? Bien sûr qu'il y en a énormément, je ne peux pas toutes les énumérer ici, intégral, mais évidemment, oui, bien sûr qu'il y a des connaissances et des habitudes. Moi, jouer du piano, c'est pas simplement taper sur des touches. Je pense que jouer du piano, c'est aussi connaître le solfège, c'est aussi avoir une oreille musicale en place, d'accord? Vous trouverez des formations hein, sur la chaîne, sur le shop d'ailleurs, qui défile en bas. Donc, la musique, c'est pas que l'instrument, c'est tout ce qu'il y a autour de l'instrument, c'est-à-dire à la fois la lecture, à la fois le solfège, à la fois l'oreille musicale, à la fois l'histoire de la musique, hein, puisque quand on, lorsqu'on, par exemple, on interprète une pièce classique, c'est que on a une connaissance aussi du compositeur, de son époque, du style dans lequel il joue, effectivement, pour se rapprocher d'une interprétation plus juste. Donc, vous voyez, la musique, c'est aussi l'analyse. L'analyse, avant de jouer une pièce, c'est de savoir, d'avoir analysé sa partition, et de dire, voilà, est-ce que je peux, effectivement, est-ce que j'ai bien compris cette partition pour pouvoir mieux l'interpréter? L'analyse harmonique, l'analyse de la mélodie, l'harmonie du rythme, du mouvement, du compositeur, de son époque, tout ça. Voilà, pour moi, autour de l'instrument, il y a toutes ces connaissances qui font que ça va vous aider et bien sûr ça va vous permettre de mieux interpréter ce que vous faites, surtout en musique classique bien sûr. Sylvain Martin, salut, juste pour vous féliciter, ben je t'en prie, je te remercie pour ton message. S'il y a des questions, n'hésite pas, c'est passé très vite, désolé, vous êtes nombreux, ça passe, et puis il faut me laisser simplement le temps de répondre aux questions. Une répétition d'une même note dans une partition avec un doigt ou plusieurs doigts? Je dirais plusieurs doigts, parce qu'avec un doigt, voilà, mais avec, tu vois, avec deux doigts déjà, je peux aller beaucoup plus vite hein, qu'avec un doigt comme ça. Donc plusieurs doigts, oui. Deux doigts, voire trois doigts, hein. Des fois c'est 1, 2, 3 ou 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, d'ailleurs sur la même note. Hein. Salut Brigitte, fidèle, eh ben, c'est très gentil d'être là, merci. Je suis heureux de te retrouver ce soir. N'hésite pas, si tu as des questions musicales, je suis là pour ça ce soir. Et on est là ensemble une heure, il y a déjà une demi-heure qui est passée, ça va très très vite. Je suis en train d'apprendre, nous dit Music Girl, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, oui, clé de Fa, et je confonds avec la clé de Sol, oui. J'ai un conseil pour l'apprentissage des clés, d'ailleurs la formation que je propose hein, sur le shop, à une technique bien particulière, c'est de ne pas commencer par une clé et ensuite apprendre une autre clé. Travaillez toujours les deux clés simultanément, c'est-à-dire vous devez donc avoir toujours en tête que si vous travaillez la clé de sol et la clé de fa simultanément, et bien vous serez bon dans les deux. Tandis que si vous commencez par une clé de sol, par exemple, et qu'un mois après on vous fait travailler la clé de fa, vous allez trouver ça difficile. Ben, le principe, c'est qu'il n'y a pas de clé plus difficile qu'une autre. Simplement, vous êtes habitué à une clé et que la seconde va vous paraître difficile. Donc, travaillez toujours simultanément avec des méthodes hein, ou des applications, je ne sais pas, mais qui vous fait travailler donc les deux clés simultanément, sol et fa en tant que pianiste, bien entendu. D'accord ? Bonsoir Yves, j'apprends encore et encore l'orchestration. J'ai votre excellent livre, tome 3. Oui, l'arrangement, oui, qui fait partie de la composition musicale. Avez-vous des conseils ou livres à me conseiller? Bah, celui-là, il est formidable. Enfin, je pense qu'il est formidable. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais il y a déjà... C'est très complet, hein. Ce sont des livres qui font pratiquement... pratiquement 200 pages, donc voilà. Restream nous dit 100e message déjà, vous voyez, au bout d'une demi-heure, nous sommes à 100 messages. Yves, est-ce que chaque humain a une tonalité de prédilection? Si oui, comment la découvrir? Je crois que les compositeurs ont leur tonalité de prédilection, Yves. Je pense en fait que souvent, lorsqu'on va faire une composition, suivant le caractère de cette composition, hein, donc l'ambiance, le caractère, eh bien le compositeur va choisir certaines tonalités plutôt que d'autres. On sait par exemple que Do majeur est assez brillant, hein,
voilà. Mais si tu veux quelque chose de plus intimiste, eh ben, ils vont travailler probablement une tonalité de mi bémol majeur ou si bémol majeur, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, quelque chose de plus intimiste, plus introverti, voilà. Souvent, d'ailleurs, chez les romantiques, tu trouveras beaucoup, beaucoup de tonalités en bémol, parce qu'ils préfèrent ça à des tonalités brillantes comme le fa dièse majeur, ou voilà, ils vont plutôt travailler donc dans des tonalités bémol, par exemple. Mathieu, peut-on proposer des solutions à la communauté ? Je ne comprends pas la question, Mathieu. À quelle communauté proposer quoi ? Jean-Marie, faut-il apprendre un morceau sur la partition originale ou sur une partition arrangée ? Bah, si tu peux avoir l'original, c'est bien mieux, Jean-Marie, hein, il me semble, non ? Toujours préférer l'original à la copie, bien sûr. Sauf si c'est des très anciennes partitions, si tu as la chance d'en avoir, mais enfin, celles-ci, elles sont plutôt dans des musées, surtout pour la musique dite classique. Quel est le meilleur pour pratiquer le piano ? Là aussi, c'est une question très vaste. Meilleur quoi ? Il faut me dire quel est le meilleur. Moi, pour travailler un instrument, quel que soit, hein, pas seulement le piano, il faut travailler régulièrement, voilà, et puis avancer, mettre à profit le temps que vous dédiez chaque jour donc à ce piano, c'est-à-dire mettre à profit, ça veut dire simplement travailler efficacement, c'est-à-dire que travailler toujours une difficulté particulière et essayer de la résoudre. Et là, vous allez progresser, bien sûr. Tata, bonsoir, où trouve-t-on vos livres ? Eh bien, sur le shop, je crois, shop.musicclassroom.com, tu as toutes les formations, tous les livres. Les livres qui, je le rappelle, existent en physique avec des CD, des DVD, mais qui existent aussi en téléchargement, en e-book, etc., avec des MP4, voilà. Donc vous allez trouver tout ça, à l'exception des formations, des grosses formations, hein, vous le verrez, formation piano, qui elles sont évidemment uniquement de très très longues vidéos sur YouTube privé, avec des exercices bien sûr en téléchargement. Bonsoir maestro, indépendance des doigts, quand on travaille la main gauche pour la renforcer, que fait la main droite ? Ben, ça dépend du contexte, mais c'est vrai que ta main gauche étant plus faible, et ça on le sait, hein, pour la plupart des musiciens, des pianistes, ben, il faut travailler la main gauche à part, pour la mettre au niveau de ta main droite. Et tu verras que si ta main gauche est beaucoup plus donc dextère, enfin, c'est-à-dire si tu as travaillé sa dextérité, tout ça, pour la mettre au niveau de la main droite ici, eh bien tu pourras jouer des choses vraiment ensemble, ne serait-ce que des gammes, hein, tu vois, si tes deux mains ne sont pas au même niveau, voilà, quand tu vas faire une gamme, ça va donner ça. Voilà, on va avoir toujours une main qui va être en retard par rapport à l'autre, tout ça. Non. Voilà, d'accord ? Là, je suis ensemble. Pourquoi ? Parce que j'ai bossé ma main gauche au niveau de ma main droite. Voilà, la main droite qui est souvent plus de meilleure qualité. Voilà. Travaillez votre main gauche à part. Je dis bien à part. Vous faites des exercices de main gauche, voilà, par exemple de gamme, d'arpège, etc. pour qu'elle soit au niveau de la main droite. J'enregistre, dit Gabriel. Super, très bien. Tu retrouveras de toute façon, Gabriel, les lives sur la chaîne dès demain. Il y a une playlist, hein, dans le menu playlist. Sigma, pour améliorer la coordination des mains au piano, nous dit-il, quand je travaille avec une seule main en exercice, je frappe le rythme au pied et l'autre main tape l'accroche, par exemple. Ouais, c'est bien. Bah, c'est bien de... Moi, je pense que pour un musicien classique, bien sûr, il ne faut pas frapper du pied. Les jazzman frappent un peu plus du pied. Mais voilà, pour ressentir la musique, il faut essayer que ton tempo soit intérieur, que tu le ressentes à l'intérieur de toi, sans pour autant frapper. Alors, je sais que moi-même, je frappe parfois du pied lorsque j'improvise, etc. Mais peut-être qu'il ne faut pas. Il faut laisser la musique libre, simplement, ne pas la sélectionner comme ça, comme un métronome. Mais il faudrait peut-être plus avoir un tempo intérieur, le ressentir intérieurement. Efficace, dit Sigma, d'accord. Snyton, salut, bonsoir, bienvenue à nouveau. Gabriel, j'enregistre la main gauche et je travaille la main droite en faisant passer l'enregistrement. Ouais, c'est une bonne méthode aussi, d'enregistrer une main et d'essayer d'adapter l'autre main justement à ce que tu entends de l'enregistrement. Bon, bonne méthode, j'aime bien ça aussi. Intika, sur la grille, ré mineur, oui. La mineur, oui. Sol mineur, oui, comme ça. Oui, d'accord. Pourrais-tu me proposer un exemple de réharmonisation plus jazz ? Oui, bien sûr. Alors, ré mineur, la mineur. Alors, ré mineur.
Sur la mineure, oui, je pourrais passer par des accords de passage si bémol pour arriver sur la mineure, par exemple, approche chromatique, tu vois. Et après, aller, au lieu d'aller sur sol, je vais passer par la bémol. Voilà, je suis passé par la bémol sol et puis sol dièse avant d'arriver à la, le dernier accord, par exemple. Voilà, je cherche ma pédale sustain. Voilà. D'accord. Donc voilà, des accords de passage, de réharmonisation, c'est-à-dire ici de tonicisation, c'est-à-dire de substitution d'accords, que j'insère des notes de, des accords de passage dans ta grille d'origine, par exemple. Et je l'explique dans beaucoup de tutos aussi sur la chaîne. Je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de matériel sur la chaîne. C'est vrai que c'est pas tout, toujours facile de les retrouver, mais cherchez bien, mettez la petite loupe là, hein, qui dans les, sous l'onglet vidéo, et puis cherchez des sujets comme ça, et ça va vous le trouver tout de suite. Vous allez trouver toutes les vidéos suivant les mots-clés que vous allez trouver, hein, d'accord? Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Entre les lives, les tutos, vous avez beaucoup, beaucoup de contenu, hein, de matériel pour travailler, ça c'est sûr. À la tulipe, si un jour vous sortez un DVD m'apprenant comment jouer les standards du Real Book, j'achète. Oui, il n'y a pas de DVD, mais il y a déjà pas mal de tutos, je viens d'en parler à la tulipe. Hein. Il y a beaucoup de tutos aussi sur, les, sur l'interprétation, par exemple, des standards de jazz ou des improvisations ou accompagnements aussi. Et là, il faut que tu regardes sur la playlist. Donc, si je me trompe, c'est si je me trompe pas, c'est donc piano jazz débutant, apprendre à jouer du piano jazz débutant, je crois. Voilà, il y a une playlist de vidéos pour ça hein, à la tulipe. Tu vas la trouver, bien sûr, sous l'onglet playlist, celle-ci. Titi Irak, comment ça va? Bonsoir. Comment? Ah, désolé, ça, voilà, les messages sont passés. Sigma, oui, bien sûr, mais je débute, alors pas facile pour le moment d'en garder le rythme intérieur. Oui, tout à fait, mais vous avez raison, c'est certain. Oui, je pense qu'il faut ressentir ce rythme, une pulsation à l'intérieur hein, de soi lorsqu'on joue. Mieux que de taper du pied, peut-être, oui. Ça peut gêner, taper du pied, si tu joues à plusieurs, ou si tu joues sur scène, tout ça, oui, ça peut être gênant, en tout cas. Merci beaucoup, Yves. Je t'en prie, Ntika. Kayodé nous dit, Kayodé David, bonsoir, salut, je suis très ravi de vous suivre, votre chaîne très bénéfique pour l'avancement. Ben, c'est super, c'est le but, encore une fois, c'est d'essayer de vous transmettre en tout cas ce que moi on m'a transmis quand j'étais étudiant et plus jeune, simplement. Lucas The Lion, bonsoir, je joue du piano depuis un an, nous dit-il, mais je n'arrive parfois pas à être en place. Avez-vous des exercices? Bien sûr, il y a des tonnes d'exercices, hein, Lucas, sur la mise en place, bien sûr. C'est un petit peu vaste ta question. La mise en place, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que c'est une mise en place rythmique, une mise en place au niveau du poids sur le clavier, ou peut-être une mise en place au niveau de la musicalité? Je ne sais pas. Il faut que tu me précises. C'est quoi les cadences? Ben, Wari, une cadence, c'est un repos dans une musique, d'accord? Et généralement, il est composé de deux ou trois accords qui se suivent. Par exemple, cadence parfaite, ou cadence rompue, ou cadence plagale. D'accord? Tu vois, ce sont tous des repos comme ça qui correspondent à des fins de phrases mélodiques, de thème, quoi, et qui parcourt comme ça une pièce musicale. Ce sont des respirations, des repos, donc qui se concrétisent par des accords comme ça, avec des conclusions, soit des conclusions vraiment conclusives comme celle-là, ou plutôt suspensives, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment terminés à l'oreille. Et on attend autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc suspensive, cadence, ou cadence conclusive, qui sont plus conclusives, comme en fin de morceau par exemple. Jean-Marie, quand on n'a pas la librairie musicale, oui, où peut-on se procurer des partitions originales? Ouh là là, alors c'est plein l'internet, je pense qu'il faut faire des recherches sur Google. Hein. On peut... voilà, tu fais un Google et puis tu recherches vraiment ce que tu veux, voilà. Et là, c'est le monde est ouvert, hein, bien sûr, et même sans librairie musicale, bien sûr. Coltrane, grâce à tes cours aujourd'hui depuis 2 ans, je joue modestement avec un guitariste et le résultat, oui, en jazz je suppose, Coltrane, d'accord, ou en blues peut-être, vu le pseudo, bah, c'est bien, c'est super ça, jouer avec les gens, encore une fois, c'est très très profitable parce que ça permet d'écouter et de,
voilà, d'être en phase avec quelqu'un, de partager quelque chose, bien sûr. S'il y a un public, c'est encore mieux, hein, puisque faire de la scène que j'ai fait il y a longtemps, mais voilà, faire de la scène, c'est formidable. Enlil, bonsoir à nouveau. Avez-vous des anecdotes sur votre propre apprentissage musical, des moments marquants de votre carrière? Alors, tu sais, j'ai fait en collaboration avec Alexis de Harmonie et Piano, la chaîne Harmonie et Piano, Alexis qui était un élève, qui a sa chaîne également. Donc, il m'a invité et j'ai parlé de ce que je connaissais, c'est-à-dire ce que j'avais fait comme parcours musical depuis tout jeune jusqu'à aujourd'hui. Donc je te recommande cette vidéo sur la chaîne d'Alexis qui s'appelle Harmonie et Piano. Donc je te la recommande. Et là je discute, je ne vais pas en discuter ici parce que bon, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde et puis ça va prendre peut-être plus d'une heure. Hein. D'accord, mais je te conseille d'aller sur la chaîne et il y a une vidéo où il m'a invité et on a parlé effectivement du métier de compositeur, d'arrangeur, de prof aussi évidemment, d'ingénieur, voilà, de tout ce que j'ai pu faire effectivement dans la musique, puisque plein de choses m'intéressaient. Comme vous le savez, la musique c'est très vaste, il y a beaucoup beaucoup de paramètres, beaucoup de matières aussi à travailler, si on veut être complet en tout cas. Donc voilà. Que penses-tu de la boîte à chansons? Qu'est-ce que c'est que la boîte à chansons, Wari? Tu vas me le dire, je ne sais pas ce que c'est. Hi Ange Phineas Gaourou. Bonsoir, salut, j'aimerais bien comprendre la technique des emprunts pour jouer du gospel. Alors un emprunt, c'est une modulation que j'ai expliquée tout à l'heure, Ange. Je crois que c'est Ange ton prénom. Hein. Et par contre, c'est une modulation très courte. Très courte, ça veut dire que ça peut durer un temps ou deux. D'ailleurs, on module, mais très très passager. Comme ça, par exemple, si je suis en do majeur, je vais aller do dièse. Pour aller en ré mineur. Voilà, je suis en ré mineur, mais ça ne dure pas. Ré dièse ici pour aller en mi mineur. Voilà. Donc ce sont des modulations tout à fait passagères. Alors certainement dans le gospel il y en a, mais le gospel c'est comme toutes les autres formes, hein. Il y a des modulations, il y a des emprunts plus courts. Une modulation c'est plutôt un passage dans le courant d'un morceau bien sûr, mais d'une tonalité à un autre, mais une plus établie. C'est-à-dire si j'ai décidé d'aller en do majeur et d'aller en sol ensuite. Voilà, et je reste en sol majeur. Là, c'est une vraie modulation parce qu'il y a toute une plage où effectivement je vais me poser en sol majeur. L'emprunt, lui, c'est une modulation mais très passagère qui dure parfois qu'un seul temps, hein, ou deux. Carlos Pérez nous dit, pouvez-vous me donner quelques conseils pour travailler le jazz et blues? Ancien musique, pianiste de variété. Oui, bien sûr, tu as des playlists, hein, Carlos, on l'a dit tout à l'heure, sur la chaîne Music Classroom, qui est consacrée au jazz, à l'improvisation, à l'accompagnement jazz, l'interprétation, les accords jazz, les enrichissements, tout ça. Tu vas trouver ça sur la chaîne, sous l'onglet Playlist. Hein, donc, piano jazz, essaie de retrouver cette playlist. Beaucoup de vidéos. Hein. Jean Pineda, bonsoir, je joue du piano, mais le solfège me pose un petit problème. Oui, j'aimerais me donner une méthode d'apprentissage rapide. Alors comme je l'ai dit, le solfège, ça englobe beaucoup de choses, hein, Jean. Ça englobe d'abord la lecture des clés. Ça englobe aussi la lecture des rythmes, d'accord? Ça englobe aussi l'oreille musicale, le solfège, c'est d'avoir une oreille vraiment en place. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle donc formation que j'ai mise en place de 2h30, hein, sous forme d'exercice d'oreille musicale que vous allez trouver sur le shop. Vous pouvez trouver d'ailleurs aussi des réductions, hein, donc sur si ça vous voilà, si vous pensez que c'est trop cher, bah écoutez, voyez, il y a donc là tout ça, c'est le solfège. Ça n'est pas qu'une seule chose, le solfège, hein. C'est la lecture. Et puis après, c'est des dictées musicales aussi. Bon, il y a plein de bouquins, hein, sur le shop aussi qui parlent des dictées musicales. Il faut savoir prendre comme ça à l'oreille, donc ou en écrivant, donc par exemple des intervalles, tout ça. C'était le but de la formation, la dernière formation d'ailleurs. Il y a 30%, je crois, jusqu'à jeudi sur cette formation des offres de lancement. Vous pouvez voir sur le shop, hein, d'accord? Eliane Martinez, pour toutes vos questions, surtout celle de la cadence, enfin, j'ai compris deux paroles et tout est plus clair. Mille merci. Je t'en prie, Eliane, n'hésite pas s'il y a des choses encore qui sont un peu confuses dans ce que je dis. Hein. Martin, salut, bienvenue parmi nous.
Wari, on nous propose des accords de chansons connus, mais sans la mélodie. Peut-on se dire que la mélodie est tirée des accords? Oui, Wari, la mélodie et l'harmonie sont deux choses tout à fait liées, hein, d'accord? D'une harmonie, hein, on peut tirer une mélodie, et d'une mélodie, par exemple. De la mélodie, une mélodie pour moi contient tout, elle contient même l'harmonie si j'imagine un petit peu des basses et des accords dessous. Donc très très liés, hein. Il n'y a pas l'harmonie, la mélodie d'un côté ou de l'autre. Ce sont deux choses qui sont très très liées. On peut partir de l'une pour aller vers l'autre ou de l'autre pour aller vers l'une, hein, également. Voilà. Senve, bonsoir, salut. Quel exercice permet selon toi d'être à l'aise dans tonalité? Faut-il conscientiser, ah oui, je connaissais pas ce mot-là, tous les degrés ou au contraire laisser les doigts prendre. Non, non, il faut le faire consciemment. Lorsque tu travailles un exercice, lorsque tu travailles des accords, des gammes, des arpèges, tout ça, fais-le dans toutes les tonalités, pratique-le dans toutes les tonalités. Les 12 tonalités, encore une fois, comprises ici dans une octave, d'accord? Les 12 tonalités, donc de la gamme chromatique par demi-ton, comme ça, d'accord? Donc si tu fais un accord de Do majeur, ici par exemple, Do mi sol, et ben, tu dois être capable de le faire en sol bémol ou en fa dièse ici, tu vois? Majeur, et puis Ré bémol majeur, Sol majeur, etc. Toutes les tonalités. Dans les gammes, dans les morceaux que vous allez trouver, quel que soit le style, hein, chanson, jazz ou même classique, et ben, vous devez effectivement être capable de reconnaître vos accords et de les jouer dans toutes les tonalités, bien sûr, puisque la musique est faite des 12 tonalités, bien sûr. Dominique, salut, bonsoir, bienvenue. Nouveau, nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue. N'hésite pas à poser des questions. Coucou, salut Jukebox. Maxime, je joue un peu la musique, mais ça fait longtemps et je veux me remettre. Oui, bah, il est tout le temps, il est jamais trop tard pour s'y remettre. Beaucoup d'adultes ont arrêté la musique, hein, mais je crois qu'on y revient toujours. Nabil, il parle de l'émission de Jean-François Ziguel. Ah, la boîte à musique, oui, effectivement. Excellent, Jean-François Ziguel. Jean-François Ziguel, c'est quelqu'un qui arrive à expliquer l'analyse musicale, donc en le vulgarisant au maximum. Vulgarisant, ça veut dire que tout le monde doit être capable, évidemment, de comprendre ce qu'il dit. Voilà, quelque chose de plus esthétique, moins technique peut-être. Très très bon la boîte à musique. Excellent, excellent également musicien, bien sûr. Excellent musicien. Intika, bonsoir Yves et merci pour tous ces trésors hebdomadaires. Ben, je t'en prie, Intika, c'est très gentil ton message. Je continuerai autant que je peux. Intégrale, dans l'apprentissage de la musique, on peut au début mélanger plusieurs styles pour enfin atterrir dans le style qui nous convainc le plus. Oui, tout à fait. Je pense que un compositeur, par exemple, hein, intégral, un compositeur ou même un musicien, eh ben, se forge un petit peu son propre langage musical en écoutant évidemment beaucoup de choses différentes. Mais en tout cas, quoi que vous écoutiez comme style, le style n'est pas un problème. Quoi que vous écoutez toujours la meilleure qualité. C'est-à-dire, si c'est un musicien classique, écoutez les meilleurs musiciens classiques. Voilà. Si c'est un musicien de jazz, écoutez le top. Encore une fois, ça, c'est une chose importante parce que ça forge votre oreille à de la qualité. C'est très important. Lorsqu'on écoute de la médiocrité, et ça existe beaucoup, hein, sur YouTube aussi, il y a beaucoup de gens qui reprennent des choses, mais médiocres. Et donc, ça vous déforme l'oreille. C'est un peu comme quelqu'un qui fait du bal toute sa vie, je veux dire, voilà, à la force, il aura une oreille de bal, c'est-à-dire de musicien de bal. Moi, je pense qu'il faut écouter la qualité, choisissez toujours ce qu'il y a de mieux. Et ça va forger votre oreille, ça va forger votre goût musical, c'est très très important. Hein. Xavier nous dit, quand je m'entraîne, j'essaie de transposer en direct. Et là, patatras, je suis totalement. Auriez-vous des conseils pour ça? Alors, la transposition, c'est aussi une habitude. C'est un petit peu comme le déchiffrage. Hein. La transposition, on peut le faire par en disant, bah, tiens, je vais changer l'armure de la clé. Maintenant, ça va jouer en ça, simplement. Ou alors, on peut le faire aussi à l'oreille, hein, Xavier. C'est-à-dire, on peut transposer à l'oreille. C'est-à-dire, j'ai un morceau qui fait. Je peux le faire.
Tu vois, j'ai transposé en mi bémol majeur, j'étais en do majeur, j'ai transposé. Et ça, c'est mon oreille qui m'a simplement... Et je connais mes notes parce qu'évidemment, je les ai beaucoup pratiquées. Le clavier, je le connais également. La connaissance du clavier, c'est très important hein, de connaître son clavier, même sans regarder, savoir où on va. D'ailleurs, les personnes non-voyantes, d'ailleurs, donc, qui ne voient pas leur clavier, ben, ils le ressentent, ils développent un autre sens, c'est-à-dire la connaissance de leur clavier sans le regarder. Et ça, c'est important lorsque vous déchiffrez des partitions, de ne pas regarder votre clavier. Ou alors, vous apprenez par cœur, et à ce moment-là, vous vous débarrassez de la partition, et je préfère à ce moment-là que vous regardiez votre clavier, et à ce moment-là, que vous vous concentriez cette fois-ci, non plus sur la technique, mais sur la musicalité. Ça, c'est une chose importante. Wari, non, la boîte à chansons est un site à partition. Ah, ça peut l'être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il s'agit de Jean-François Ziegel, c'est excellent, je vous conseille ses vidéos. C'est quelqu'un qui est d'une grande qualité, et d'une grande technique, et donc un grand musicien pour moi, parce qu'il a cette faculté aussi à transmettre aussi la pédagogie, comme ça, de façon simple, à tout le monde, même à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Voilà, c'est une qualité. Gabriel, pour les partitions, il y a un super site Noviscore et en plus ils sont français. D'accord, très bien, bah, c'est une info pour tout le monde. Voilà, vous avez des partitions. En général, j'ai toujours conseillé aux gens qui veulent de bonnes partitions, c'est-à-dire qui comprennent, qui incluent les bons doigtés, etc., de travailler sur des partitions donc d'éditeurs connus et d'éditeurs de qualité. Hein. Il y en a plein, hein, je ne vais pas les nommer ici. Mais en tout cas, lorsque vous avez effectivement des partitions de qualité, eh ben vous pouvez à ce niveau-là avoir les bons doigtés, les bons phrasés, tout ça, tout est bien noté. Et ça va vous rapprocher d'une interprétation plus juste du compositeur que vous jouez. Surtout s'il s'agit de musique classique, je l'avais dit tout à l'heure. Il est difficile, nous dit Jean-Marie, de poser tous les doigts sur le clavier quand il y a de grands écarts. Comment procéder? Alors, on l'avait dit au sujet des accords de dixième, au lieu de faire Do, Mi, Sol, on fait Do, Sol, Mi. D'accord? Et là, tu vois qu'entre Do et le Mi, il y a un intervalle de dixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ces grands intervalles, pour les petites mains, je l'avais dit souvent, c'est d'essayer d'arpéger. Voilà, avec un mouvement de main comme ça qui va effectivement coulisser comme ça. Donc, arpéger, faites un accord arpégé de façon très rapide. Wari nous dit comment trouver ces accords de passage. Alors, les accords de passage, ce sont justement des accords qui ne font pas partie de l'accord que vous voyez en haut dans votre grille. Par exemple, si je fais Do majeur ici, et que je le renverse Mi Sol Do ici, premier renversement, entre les deux, je peux avoir un Ré mineur. Regarde. Voilà, Ré mineur ne fait pas partie de Do majeur, et je retrouve mon Do majeur renversé ici, d'accord ? Voilà, le Ré mineur est un accord de passage, simplement parce qu'il ne fait pas partie de mon accord de Do majeur qui serait censé donc être représenté dans ma grille là-haut, d'accord ? Voilà ce qu'est un accord de passage. Je le répète parce qu'on a fait aussi des lives hein, sur ce sujet des accords de passage. Un accord de passage, c'est d'abord une note de passage entre Do et le Mi. Do, Ré, le Ré, passage et Mi. C'est un accord de Do, Mi, Sol. Le Do et le Mi sont dits des notes réelles hein, de l'accord. Voilà. Et le Ré au milieu, bah, c'est un passage parce qu'il ne fait pas partie de Do, Mi, Sol. Voilà. Et sur cette note de passage, le Ré, on va construire un accord, par exemple Ré mineur, deuxième degré, donc accord du deuxième degré de Do majeur, hein, premier, deuxième. Et c'est donc un accord de passage qui est bâti donc sur une note de passage, le Ré, ici. D'accord ? Est-ce que tu fais du live de déchiffrage des pièces classiques où tu te concentres sur... Non, pas du tout. Tu sais, j'ai navigué dans beaucoup de choses, Jukban. J'ai navigué dans beaucoup d'univers musicaux. Hein. Je suis à la base un musicien classique de conservatoire. Je suis premier prix de conservatoire. Mais ensuite, j'ai été vers le jazz, et ensuite vers la chanson, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas une question de style, voilà.
C'est simplement une question de passion. Vous savez que dans tous les styles musicaux, il y a des gens qui sont très forts et qui vous font aimer ça. Parce qu'il y a des niveaux, voilà. Donc, que tu sois pianiste ou accordéoniste ou autre chose, il y a toujours des gens très, très, très. Il faut donc écouter le meilleur de chaque style, évidemment, bien sûr. D'où mon conseil de tout à l'heure, d'écouter toujours les meilleurs musiciens. Xavier, merci pour vos conseils. D'ailleurs, j'essaie de jouer sans regarder le clavier. C'est une bonne chose, ça te permet de connaître le clavier. Merci pour le compliment, Xavier. Je te remercie. Nathan, bonsoir. J'aimerais savoir ce que vous donnez des formations de piano débutant en ligne. Alors, je le répète, hein, les cours à distance, hein, sur Internet, sur Skype, tout ça sont fermés pour l'instant parce que, bon, d'abord, il y avait beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Je pouvais pas répondre à toute la demande. Mais il y a les formations, effectivement, sur le shop. Hein. Ce ne sont pas des formations en direct, mais en tout cas, ce sont des formations que j'ai créées moi-même et qui touchent tout, évidemment, tous les sujets musicaux, hein, aussi bien l'harmonie, le jazz, l'improvisation, l'accompagnement, la lecture, le solfège, la théorie musicale, etc. Voilà. Xavier, bonsoir et merci. Parce que suivre, nous dit Nathan, le tutoriel, c'est un peu compliqué, ça embrouille des fois. J'aimerais avoir une formation complète, si c'est possible, en ligne. Alors, les formations complètes, je le répète, sont sur le shop, sous le menu, donc formation piano. Et là, vous avez toutes les formations complètes, qui sont des formations vidéo, hein, longues vidéos, parfois 2 heures, parfois 3 heures, avec des... Alors là, effectivement, il y a un suivi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une logique. Les chapitres se suivent, contrairement aux tutos sur YouTube, qui traitent d'un sujet à chaque fois, donc bien précis. Nabil, croyez-vous que les 25 études de Bergmüller, oui, pourront améliorer, mais oui, toutes les études sont valables, Nabil. À partir du moment où tu travailles ton piano et que tu travailles des difficultés donc techniques, à ce moment-là, tu progresseras. Donc, c'est pas plutôt cette méthode qu'une autre, etc. Moi, je dis qu'il faut voir un ensemble de méthodes, essayer de les travailler toutes, bien sûr, puisque tout ce qui est technique et tout ce qui est travail technique, eh bien voilà, tu ça va te faire progresser de toute façon. Donc, il n'y a pas de très mauvaise méthode et de très bonne méthode. Moi, je crois que... Bon, il se peut que certaines méthodes ne soient pas assez pédagogiques, peut-être. Ouais. Mais en fait, tout ce qui peut te faire travailler donc techniquement, hein, Nabil, et à ce moment-là, tu peux le faire sans hésiter. L'essentiel, c'est de les faire, bien sûr. Jukban, cela fait 1 an et demi que je joue du piano, je joue l'étude de Chopin, ouais, d'accord, ai-je un bon niveau, je sais, oui, bah c'est déjà pas mal, une étude de Chopin au bout 1 an et demi, hein. Moi, quand j'étais petit, j'aurais bien aimé jouer ça, hein. Voilà, au bout 1 an et demi, non, 1 an et demi, c'est considéré même comme débutant, hein, bien sûr. Moi, je dis de 1 à 5 ans, c'est débutant, quoi. Après de 5 à 10 ans, oui, on peut dire qu'on commence à un bon niveau intermédiaire. Et au-delà de 10 ans, encore faut-il de savoir est-ce que cette évolution est réelle ou pas. Mais en tout cas, au-dessus de 10 ans, après, tu peux devenir effectivement professionnel. Ou... Voilà, si évidemment tu interprètes les choses correctement, bien sûr. Rania, bonsoir, pouvons-nous apprendre et évoluer sans connaître le solfège? Je connais beaucoup de musiciens qui ne connaissent pas le solfège, mais qui sont d'excellents musiciens, bien sûr. Être musicien, souvent, c'est un don, c'est inné. Vous l'avez peut-être en vous ou pas. Mais pour ceux qui ne lisent pas le solfège, tu sais, le solfège, c'est qu'un outil, hein, d'accord, Rania? C'est un outil qui te permet simplement de gagner du temps, c'est-à-dire de déchiffrer des partitions beaucoup plus vite et de monter ton répertoire de façon plus rapide, bien sûr. C'est donc un outil, c'est un langage, c'est le langage de la musique. Apprenez-le, ça va vous faire gagner énormément de temps. Maxime nous dit, par où commencer? Par la théorie musicale ou par le solfège? Ben, on peut faire les choses en parallèle, Maxime, hein. On peut commencer le piano, mais en même temps travailler le solfège, la théorie, etc. La théorie et le solfège, pour moi, c'est 2 choses différentes. La théorie, c'est les mécanismes de la musique, comment ça marche, comment ça fonctionne. Le solfège, c'est surtout pour essayer de lire, hein, c'est-à-dire concret, hein, le nom des notes, les clés, les rythmes, etc. C'est ça, surtout, le solfège. Et puis l'oreille, hein, n'oubliez pas l'oreille, parce que l'oreille, c'est évidemment l'instrument premier du musicien. Quelqu'un qui n'entend pas, un musicien qui n'entend pas, ça peut être gênant. Gabriel Ferry, c'est vrai que jouer en autodidacte, c'est pas toujours simple, oui, mais avec cette rencontre du mardi, oui, ça peut aider, évidemment, ce que mais c'est bien d'avoir un prof aussi, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui te suit, hein, Gabriel.
c'est-à-dire qui te suit, qui s'occupe de toi précisément, c'est-à-dire qui sache exactement quels sont tes défauts, ce que tu dois travailler, etc. Voilà. Un professeur, c'est toujours une oreille externe, hein, quelque chose qui va te permettre d'avoir un miroir et de dire, voilà, mais qu'est-ce que je fais là? Tandis que quand on est seul, c'est plus difficile d'avoir un recul sur ce qu'on fait. Hein, voilà. Donc c'est bien d'avoir une deuxième personne qui puisse évidemment entendre et te guider. Bien sûr, si c'est un bon prof, il te guidera bien. Bonjour, est-ce que vous conseillez les tutos piano avec les touches qui s'allument? Ah oui, le fameux Synthesia. Bah, c'est-à-dire que oui, pour jouer des choses immédiatement, oui, mais ça ne t'apprend rien. Le Synthesia, c'est une invention YouTube pour faire beaucoup de vues, mais ça ne t'apprend rien parce que tu n'apprends rien, on ne t'explique rien. Tu regardes et tu essaies de refaire. Donc c'est un peu singé ce qu'on voit, tout ça. Ça ne t'apprend rien de la musique, ça ne t'apprend rien de la musicalité, surtout pas, parce que si tu entends bien, il n'y a aucune musicalité, il n'y a rien. Hein, surtout si tu interprètes des pièces classiques. Hein, c'est quand même assez grave, quoi, ce système. C'est mon avis. Je t'en prie, Yves, toujours aussi passionnant. Bah écoute, si c'est passionnant, je suis ravi que ça vous plaise. Xavier nous dit également, moi ça fait un an et demi que je pratique, mais je fais surtout des exercices. Non, il faut aussi se faire plaisir, c'est-à-dire l'exercice aussi n'est qu'un outil. Il te prépare techniquement, si tu veux, à jouer ensuite de vraies pièces musicales du répertoire. Et c'est là qu'intervient la musicalité. Voilà. Eh bien, oui, je vais suivre Yves. Je vais vous donner rendez-vous puisqu'il est 20h. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de partager également les vidéos de la chaîne si elles vous intéressent avec votre entourage, avec d'autres musiciens. Ça aide beaucoup la chaîne à poursuivre notamment ses lives et tous ses tutos gratuits. Donc ce vendredi, je vous l'avais dit, je vous mettrai donc un tuto sur les différences entre l'harmonie et le contrepoint. C'est une question qu'on m'avait posée beaucoup, beaucoup. Et donc j'ai essayé d'y répondre à l'aide d'exemples, bien sûr, de Bach d'ailleurs, si mon souvenir est bon. Donc vendredi 9h, un tuto, et puis moi je vais vous donner rendez-vous donc à mardi prochain 19h pour un nouveau live donc, qui sera consacré à un sujet que je vais annoncer sous l'onglet communauté quelques jours avant l'onglet communauté qui, je le répète, est fait pour vous. Tous ces lives, donc, vous allez les retrouver hein, dans l'onglet playlist de la chaîne Music Classroom avec le live, donc, le fameux live, live Music Classroom Live, donc, où tous ces 66 ou 67 lives qui discutent de sujets différents seront disponibles pour vous. Voilà, n'hésitez pas à les revisionner s'il le faut, etc. Bien, bonsoir Brigitte, salut Francis, bonsoir Martin, bonsoir également Gabriel, à bientôt, si Sylvain, Jean-Marie, j'étais ravi de vous voir, c'était intéressant ce soir, il y avait de bonnes questions, etc. Et je vais vous donner rendez-vous donc à la semaine prochaine, mardi prochain 19h, heure de Paris bien sûr, parce que vous êtes nombreux à nous suivre aussi des quatre coins du globe, et ça c'est très intéressant et très important de savoir que 19h c'est heure de Paris, évidemment. À bientôt Mohamed, salut Brigitte, bonne soirée, bonne semaine à vous, et mettez tout ça à profit. À très très bientôt, salut.